Atate qui vole. Et vraiment, elle est propulsée contre un rocher. Il y a un souffle tellement le coup a été puissant et elle va s'encastrer contre un rocher. Et elle a pris très cher. Elle est sonnée. Seiga, qu'est-ce que tu fais? Je sais que ça va être overkill, mais je vais tenter d'achever ce très cher ami qui m'a fourni une belle explosion quand même. Avec une attaque magique simple, hein, les fameuses aiguilles. Retaché. Ça passe tranquille. Il va. Ouais, non, de toute façon, il te voit pas, donc. Là, il était déjà en train de tomber à genoux. Bon, là, il tombe tout court. C'est à qui, là, du coup? Là, c'était à moi et... Ouais, ça aurait été à lui, mais bon, bah... Donc, Atate est complètement encastré dans un rocher. Donc, bon, bah... d'abord voir si elle arrive à se relever, hein... elle arrive à se dégager elle titube un peu beaucoup. Ah, elle s'est pris un coup un peu violent. Elle a juste réussi à se dégager. Zut. Ringo. Alors, je peux pas attaquer de là où je suis, on est d'accord? Toi dans ton carton. Tu peux sortir de ton carton et attaquer si tu veux. Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en vrai, clairement, j'arrête pas d'analyser, mais ça rate. Toi aussi, utilise l'esprit shonen après avoir vu la mort d'ailleurs. Bon, sinon, je fais vraiment déguisement et je. Si j'attaque, on va peut-être me remarquer. Enfin, c'est... Genre, t'es juste en face, bien sûr qu'on va te remarquer si t'attaques. Mais oh, je verrais, genre personne ne saura qui c'est, genre je serai dans mon carton. Les gens penseront que c'est Atate qui est derrière qui vient d'attaquer. Ouais, je vais faire ça. Ah, je crois que j'ai alors... raté. Non, ça passe. Donc tu attaques qui? Loni, parce qu'il est méchant. Ok, alors... Il est carton. Il esquive pas du tout. Yes, on est critique. Il avait pas du tout. Bah c'est cohérent le coup effectivement. Bah c'est cohérent parce que il s'y attendait pas du tout. Je veux dire il avait bondi pour donner un énorme coup à Tate. Il avait propulsé à Tate et il s'est que regardé à Tate. Depuis le début, il avait mais pas du tout fait attention au carton qui était pourtant juste devant lui. Et il voit même pas l'attaque. Il voit même pas l'attaque arriver. C'est juste d'un seul coup, il se prend l'attaque. Il recule et il a pas compris ce qui s'est passé. La dernière fois qu'il y avait eu un échec critique sur le bord, il y a quelqu'un qui a fait un jet d'agilité pour pas tomber. Bah, le truc c'est que Germain, contrairement à l'autre, il était pas sur le bord, il était sur le pont. Donc ouais, là, c'est-à-dire que là, tu vois, c'est comme... L'autre était presque mort. Tu vois, c'est comme dans Smash Bros, quand t'es au bord du stage, il est... Ouais. Oui, il ne manque plus qu'un petit... Du coup, c'est vrai que c'est mon carton vivant. C'est au tour de Momiji, qui est un peu loin... Qui est un peu loin pour atteindre Loni avec son épée. Donc en fait, elle va tenter de faire une attaque magique un peu lobée pour que ça touche Loni vraiment vers le vide. Comme tu disais, c'est égal, le dernier coup de main. Du coup, il se prend l'attaque et bon, bah il tombe. Adieu. Oui. C'est plus long. Et tout ça grâce au carton. Bah non, il est juste tombé. Le carton qui en prend fait quelque chose depuis le début. Donc les gens qui tombent, ils sont hors combat, c'est ça? Oui. D'accord.
Enfin, tant, sauf... Tant que Lynn maintient son rang. Il reste plus que... Enfin, sauf l'autre qui est plus que hors combat. ensuite, c'est au tour de ce Tengu-là qui... Non, pardon. De ce Tengu-là. Du coup, lui aussi... Aïa! Tout le monde est... Aïa! Et qui va tenter une attaque magique sur, sur le lancier. Ça passe. Ça rate. Et du coup, il est mis KO. Attends, ça veut dire que on a gagné? Oui. C'est vraiment le combat simple. Attendez, il y a au moins une personne qui a... Qui a quoi? Et les Tengu, enfin, mis à part les Tengu, on n'a pris aucun dégât en fait. Ouais, on n'a pris aucun dégât. C'est génial! Alors, en parlant de dégâts sur la étang, donc du coup, je vais aller voir l'état d'Aya. Comment elle s'en sort? Enfin, si elle va se sentir sur moi. Ne sait, personne ne sait qui est ce carton là. Ah bah là, c'est à dire que. Pour eux, ils sont juste fait attaquer par les Tengu. Je suis un carton! C'est-à-dire que là, ils ont vu aucun de vous quatre. Génial. Ils m'ont vu, mais ils pensent que je suis... Ils t'ont techniquement vu, mais... Ils ont vu un carton. Oui, ils se sont fait défoncer par un carton. Oh putain, j'ai un beau carton. Ringo Snake, le retour. Du coup, comment ça sort, Aya? Aya, alors une fois que tu as pu te rapprocher et enlever la lance de son dos aussi, elle s'est pris une grosse attaque, mais sa vie n'est pas en danger. C'est un yokai, oui. Ouais, bah ça. J'ai survécu à la même chose. Hein. Alors que par exemple, je pense pas que moi, en tant qu'humaine, je puisse survivre à ça. Ouais. Effectivement. Bon, du coup, je dis aux autres s'ils se posaient encore la question. Bon, son pronostic vital n'est pas en danger, mais je pense qu'on peut quand même l'emmener aux soins. Est-ce que quelqu'un veut m'accompagner pour repêcher les deux qui sont tombés? Oui, Momiji et Michias portent volontaire. Est-ce que je peux attacher une ficelle à une de mes balles et traverser les ennemis avec la balle et comme ça je les remonte? Non. Ça les tue. Je crois que la ficelle brûlera lorsque tu feras ça. Pas faux. C'est-à-dire, Varusha, tu as un fusil, Varusha. Tu n'as pas un grappin. Du coup, ils sont KO les deux qui sont en bas? Alors, encore mieux pour moi, ils sortent pas de mon carton. Moi, je fouillais la magicienne. Alors, attendez, parce que là, je fais trois choses en même temps. Alors, du coup, Rin, alors du coup, tu es accompagné de Michia et Momiji, qui descendent avec toi. Alors, du coup, le lancier qui était tombé, il est KO, il est dans le coma. Loni, quant à lui, il est vivant. Même bien vivant. mais il est sonné, donc il y a Michia et Momiji qui vont qui le maîtrisent. D'accord. Bon, dans ce cas-là, je prends le lancier et on peut monter comme ça, je pense. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui. C'est bon, ouais. Je pensais que j'allais bugger. Seiga, tu fouilles la pyromancienne. Tu peux lui prendre son bâton de magicienne si tu veux. Ça serait moins cher. Vu la qualité du bâton, bof. Ouais. C'est pas un bâton de très grande valeur. Bon, je vais quand même le prendre, ça coûte rien. Non, je vais pas le prendre. Non, tu trouves. Ça va être brisé, ma couverture. Sur elle, tu peux trouver aussi une potion de mana. Oh. Une moyenne. Oui. Okay. Et
naturel, et là aussi 13 mon. Oh. Je devrais plus souvent participer aux missions du Kai, c'est détonnant. Du coup, tu voulais faire quoi, Tachi? Pour le moment, je reste en carton. Et genre, je fais un carton qui bouge. Et si quelqu'un essaie d'enlever le carton, bah, je me déguise. D'accord. Moi, je vais quand même dire à ces gars, si tu tiens ta couverture, tu ferais mieux de te cacher. L'Oni n'est pas encore KO. Ah, bon bah... Ah bah, quoique, il va être prisonnier. Bon, ça sert à rien. C'est toi qui vois. Bah, les Tengu vont le retenir, techniquement. Je me demande... Le temps que l'incident soit résolu. Du coup, je peux... Ah, c'est bien que je peux le narguer. Oui. Du coup, je peux bouger ou pas? Non. Je suis un carton qui bouge. Votre action. Ringo, c'est... C'est pas drôle. Ah, c'est pas drôle. Je veux dire, il manque qu'un seul personnage, oui. Et tout le monde sait que tu aimes bien te déguiser. Si tu veux, je fais un jet d'intelligence. Allez, vas-y. Alors, je crois que ça rate, attends. Attends, ça rate. Je crois que ça rate. Je crois aussi, ouais. J'ai 60. Bah du coup, c'est Yua, tu dis Ringo, c'est toi? Non. Ok. Je sais ce que je vais faire, je vais dire... Oh là là, encore un pauvre animal sans défense qui s'est retrouvé piégé sous une invention humaine. Sans raison. Et du coup, j'ai enlevé le carton en disant « Ne t'inquiète pas, petit animal, tu es lit. » Le garçon disparaît. Tu pensais voir quelque chose. Carton. Pardon, Sega. Alors, en revanche, le deuxième carton en dessous, désolé, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Je repose le premier carton diligemment sur le premier. Ouais. Je suis bien pour Ringo. Bon, allez, à plus tard. À plus tard. Ringo, c'est qui ça? Je suis en carton. Ça vous pose un problème? Je vois ça, oui. Je suis un Tsukumogami. Donc, voilà. Ben voilà, bah. Ça vous pose un problème ou je suis en carton ou je... Ah non, tu penses vraiment ça à Rin et Sega? Dès je demande ça à Rin et Sega. Non. Est-ce que je fais quand même un test d'intelligence pour voir si c'est Ringo? Oh, c'est pas drôle! C'est bon. Tu peux avec un bonus de 20. C'est-à-dire, non, ça ne me dérange pas que tu sois un carton maintenant. Je vais juste rajouter le petit. Juste rajouter le petit maintenant, tu sais, pour. du coup, tu veux nous accompagner, petit carton? Ah ouais, clairement, j'aime bien les aventures. Et passé où, Ringo? Ringo, c'est qui ça? Non, mais je demande à Rin. Il n'y a rien à faire d'un carton qui vient d'ici. Non mais c'est méchant. Je n'ai aucune idée, j'espère qu'elle n'a pas été... Ça m'étonnerait qu'elle ait été capturée par l'ennemi quand même. Bon allez, c'est pas tout, mais j'ai un gars à troller moi. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui. Oh magnifique. Mais il est où mon carton? Pourquoi il y a un carré sombre? C'est quoi le carré noir? Comme j'avais pas de map pour un intérieur du village Tengu, en fait, faut imaginer que là, c'est comme un pop-up sombre. C'est comme une fenêtre pop-up. Selfie avec Aya qui est aussi décédée. Aya, c'est le plus pris. Hein, c'est pour son prochain article. Donc, vous retournez au village Tengu avec donc... Momiji qui mène la marche vers le retour et sa collègue Louve qui tient l'Oni et les autres Tengu qui transportent Aya KO. Atate elle va amener Aya dans un service de soins, hein, vers une salle de soins. Momiji et sa collègue vont amener
Loni dans une salle pour l'interroger. Vous voulez les suivre Ah bah moi je vais assister à l'interrogatoire de toute façon. Idem. Bah, je suppose que je serai pas très utile pour soigner Aya, donc interrogatoire. Mm. Interrogatoire. Ah non, mais il y a plus que Gensu pour la croix, c'est nul. Ok, du coup, vous retrouvez donc face à cette Oni. Vous pouvez vous placer si vous voulez. Donc Momiji ouvre le dialogue, si je puis dire. Donc qui êtes-vous et qu'est-ce que vous tentez de faire en attaquant le village? Et donc Aloni croise les bras et fait comme si j'allais dire quelque chose. Bon, écoutez, ça va être très simple. Si vous le parlez pas, je vous tire dessus avec mon fusil. Oh, tu vas pas recommencer, toi. J'aime bien comment les personnages d'Alice sont différents de l'un à l'autre. La fois, c'était une croix, maintenant c'est une balle. Ouf, ouais. Je l'ai pas fait comme j'ai fait avec Gengetsu. Hein. Bah, si, c'est la totalement. Non, mais. C'est plus de la menace qu'autre chose, là. Oui, c'est une menace de mort directe. Tu sais, nous, on est encore Gengetsu, on est encore un peu traumatisé, je pense, donc vas-y doucement quand même. Et à cette remarque, t'as Loni qui te regarde, qui te fait aux yeux, qui fait. Eh, parce que tu crois sérieusement que c'est une balle qui va me tuer, attends. C'est pas faux. Ah, je vais m'absenter, moi, et je vais chercher une bouteille de saké. Attends, Il y a un Tengu qui t'indique où se trouvent les bouteilles de saké. Non, vraiment. Bah oui, je vais chercher une bouteille. Bah oui, sinon il va pas les trouver, hein. Rin, tu veux faire quelque chose? Oh, bah je peux toujours lui dire... J'assume que vous faites partie de la secte solaire de la sagesse mystique. Ouais. Et j'assume aussi que vous vous rendiez au sanctuaire Moria. Ouais. Et pour quelle raison, si je peux me permettre? Ouais, ça devrait paraître évident, ça, quand même. Je soupçonne qu'il y a un rapport avec Kanako Yazaka, mais... Je me suis trompé. Ouais, c'est pour la guerre des religions. Attendez, ils veulent vraiment lancer une guerre? Ah, ça a déjà commencé, hein. Pourquoi êtes-vous aussi religieux, enfin, attaché à cette religion? Moi, attaché à la religion? Ah, vous savez pas à qui vous parlez, hein. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Oh bah moi, je mène juste le groupe armé, hein. Et pourquoi vous êtes engagé auprès d'eux, au juste? Oh... Pff. Vous savez, hein... C'est pas leur promesse religieuse qui m'intéresse, hein. C'était plus leur promesse par rapport à nous. Bon, on m'avait dit que les ovnis étaient idiots, mais vous êtes pas sûr que ce qu'ils vous promettent, c'est pas vrai? Enfin, tu me fais un jet social pour avoir dit idiot. Oh, mais quoi? Jet social. Pas idiot, je voulais dire. Mortellement inférieur. Moi, pendant ce temps, je me mets au coin de la pièce. Je me mets au coin de la pièce en attendant. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, tu t'assois à côté de moi, moi je sirote mon saké. Donc... Je garde mon saké. Ah non, d'accord, je pense qu'il voulait lui donner en fait. Oui, moi aussi. Ah, mais attends, mais je vais le faire. Mais il faut que je le fasse avec un minimum bon. De discrétion. Bon, alors du coup, il le prend très mal, hein. Idiot, comment ça? C'est une lapine là qui se permet de me prendre de haut là? Tu crois que la lapine. Est plus intelligente là peut-être? Je suis plus intelligente, mais faut dire que les Oni quand même
Oh, quand même, t'as quelque chose à dire? Je dis du calme. Enfin, je suis sûr que notre ami est un peu stressé par le combat qui vient d'arriver. Qu'est-ce que t'as, toi? Vous voulez pas un verre? Ouais, tout de suite, proposer un verre. Croyez vraiment que je suis si ivrogne que ça. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire boire... Je suis sobre, moi, hein. Un onis sobre, tiens, c'est assez rare. Ouais. Tant pis, moi je lui sers quand même un verre sur la table et moi je bois le mien de l'autre côté. Tu fais un jet social pour résister à la tentation. La tentation. Et je fais toujours avec un grand sourire en mode oh, moi je parle pas dans ce débat, hein, moi je. De quelles promesses s'agit-il Quelles sont les promesses qui vous ont charmé dans cet ordre? Ouf. Il veut pas te répondre. Bah, je sais pas, s'agit-il de l'égalité entre plusieurs groupes de personnes ou la promesse peut-être de vivre à la surface éventuellement. Reste les bras croisés et vous dit. Disons, qu'est-ce que ça changerait que je vous le dise? Ça changerait qu'on aurait plus d'informations sur ce que vous vouliez faire. Ah bah, ça change que c'est mon travail de savoir en fait pourquoi les gens adhèrent à cette religion et qu'est-ce que c'est vraiment que cette religion pour eux. Ah, alors du coup, Rin, tu vas me faire un jet social avec un bonus de 10. Un malus ou un bonus? Un bonus. D'accord. Ok. Ça passe. Ça passe. Donc ta question c'était pourquoi adhérer à la secte? C'est ça, oui. Quelles sont ses raisons pour adhérer à la secte? Qu'est-ce qui lui plaît dans cette religion pour qu'il décide d'y adhérer? Bon, alors. Je le vois, il est toujours. Toujours grognon, mais bon. Il prend le verre de saké que lui avait donné Saiga. Il prend une gorgée. Fais pas Kenpai, moi je suis vexé. Et non, c'est pas le moment. Et donc il te dit ouais. Ah bah moi c'est comme je suis comme beaucoup de gens de mon espèce. On n'est pas forcément religieux, mais on a rejoint la secte. Parce que eux au moins ils voulaient faire bouger les choses. Ils voulaient nous donner plus de droits à nous les Oni. Quel genre de droits par exemple? Bah enfin nous sortir de cet exil. Pourquoi ils veulent remettre de l'équilibre dans Gensokyo, c'est ça? Je sais pas exactement s'ils ont un grand plan comme ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est au niveau religieux apporter les paroles prophétiques de d'Amaterasu et éclaircir Gensokyo avec ses paroles. Et vous voulez du coup rouvrir un conflit entre l'enfer, l'ancien enfer et la surface. Si ça en revient en conflit, moi, tant pis. Je pense que peu d'Oni sont vraiment opposés au conflit ouvert de toute façon. Ils se battent souvent. Ouais, mais bon, certains d'entre nous n'étaient pas tous chauds à l'idée. Il y en a qui sont bien dans les souterrains. Personnellement, ça me saoule. En fait, pour reformuler, je pense que peu de gens à Gensokyo sont vraiment opposés au conflit ouvert de toute façon. Enfin, de manière générale. C'est pas la lune sur ce point-là, quand même. Somme toute, c'est quand même une cause assez juste. Ah, vous ne connaissez pas les causes auxquelles j'ai adhéré pour pouvoir dire ça. Après, je sais que une amie d'une de mes amies est une Oni aussi et vit à la surface. Je sais pas trop comment ni pourquoi, mais je pourrais toujours lui demander si vous voulez.
En attendant, oui, donc je comprends pas vraiment pourquoi attaquer le sanctuaire Moria, c'est pour provoquer. Enfin, bon, j'imagine que vous avez peu d'espoir de vraiment les convertir à votre cause, mais peut-être pour réduire leur influence, c'est ça? Ouais. Ou alors peut-être que les Moria ont fait quelque chose à la secte aussi. Vous avez pas l'air d'être au courant de la situation. Non. Bah non, c'est pour ça qu'on... Après, vous savez, hein, c'est un interrogatoire. Mais justement, on n'a pas forcément à vous dire beaucoup de trucs. Bah écoute... Vous trouvez comment le sac? Oh putain. Ouais, franchement, j'ai vu mieux, hein. Il répond sur la Moria. La bataille qu'on a eue ne vous a pas plu? Pas trop, non. C'est-à-dire que se faire battre par une bande de journalistes, c'est pas le truc le plus rassurant du monde. Arrêtez, on a tous vu que les journalistes n'ont servi que de putsch. Ouais, je vois ça. Tout le monde âgé de social, là, par contre. Pour voir si les coups prennent bien. C'est un interrogatoire, c'est les Tengu, ils savent se tenir, quand même. S'ils craquent, rien que pour ça. Donc, il répond sur les Moria que, ben... C'est pas forcément personnel, mais voilà, c'est la guerre des religions que depuis qu'ils sont installés, depuis que la secte s'est installée à Gensokyo, il y a plein de petits conflits et que là les conflits deviennent des combats et que bah eux à la secte ils ont après tout ce qui s'est passé ils ont décidé de prendre l'initiative et de mener des actions offensives sur les principales religions pour faire perdre leur influence. D'accord. Est-ce que vous savez qui a décidé cela dans la hiérarchie? Ça doit être un des deux là, le frère ou la sœur, mais voilà, qui sont tout au-dessus. Le frère ou la sœur au-dessus, comment ça? Dans la secte, en fait, je le dis en aparté, hein, pour pas que l'autre il entende, mais dans la secte, il y a du coup l'archevêque qu'on a déjà croisé, donc Shibazu Itsukaiyo, mais il y a également un cardinal qui est Zetsuni Chikaku. Donc si j'ai bien compris, c'est les deux qui dirigent plus ou moins officiellement la secte, tout du moins. Ah, du coup, c'est son frère. Ouais, hein. donc officiellement, en dessous de Utsuo, bien sûr, officiellement. Donc, il dit... Ça doit être un coup. C'est une décision qui a dû être prise soit par le cardinal, soit par le commissaire. De toute façon, ils travaillent ensemble. Mais du coup, si là, ils se sont attaqués au sanctuaire Moria, ça veut dire qu'ils ont peut-être comme objectif d'aller attaquer d'autres religions, donc par exemple alors ma petite lapine, tu veux que j'explique le concept de guerre peut-être? Non, je sais, mais... Je pense que notre cher Ringo connaît très bien le concept de guerre pour... voilà. Donc c'est-à-dire que potentiellement ils sont déjà en train de partir attaquer les autres religions quand on est là à attendre. Oui. Ah là par contre, je m'exprime pas sur les autres opérations, hein. Bon, de toute manière, il y a peu de chances qu'ils partagent les informations entre les différentes opérations. Ça serait dommage de faire fuiter des informations militaires. Oui. Ça serait idiot, ça. Là, je vois qu'il n'y a pas que des imbéciles ici. Et du coup, merci c'était bien. C'était votre seule raison d'attaquer le sanctuaire Moria? Vous n'aviez pas d'autre... Moi je dirigeais juste le groupe armé, hein. On m'a donné des ordres, je les ai exécutés, hein. C'est pas moi qui a pris les raisons, hein. C'est valide. Ah là là. Et une fois au sanctuaire, qu'est-ce que vous auriez fait si vous vous étiez fait battre à plate couture? Hmm.
C'était pas vraiment prévu dans le plan de se faire battre. Je sais pas pourquoi, je m'y attendais un peu. Et puis, je veux dire, c'est quand même risqué comme opération maintenant qu'on y pense, car vous risquez de vous mettre une bonne partie de Gensokyo Ado, pour pas dire bah, presque tout le reste de Gensokyo Ado en fait. Bon, une guerre est toujours risquée, j'ai envie de dire. Oui, c'est sûr. Mais enfin, ça veut quand même dire que le jeu en vaut la chandelle, et puis pourtant, le clan de. Enfin, le clan. Le... Ah, je vais pas y arriver. La secte maintenait pourtant des relations relativement pacifistes avec les autres religions pour le moment. Jusqu'ici. C'est vrai qu'en attaquant aussi frontalement, vous risquez une guerre ouverte. Peut-être une coalition des plus grandes religions. Mais... Ouais, si vous voulez savoir, vous avez qu'à demander au cardinal, là, je sais pas, hein. Ben justement, il est où ce cardinal? Il doit être dans l'ancien enfer, je suppose. Oh non, on va pas y retourner encore, la dernière fois, on a pris déjà un peu cher. Non, on aura tout le loisir d'en discuter pour plus tard, pour l'instant, c'est pas le moment. Vous avez remarqué quand même qu'ils utilisent des techniques de manipulation de l'esprit magique. Eh ? Quoi tu parles, toi ? Ah, il a pas mal. De quoi tu me causes, des techniques de manipulation magique ? Et j'ai l'air manipulé, moi ? Bon, peut-être pas vous, après. Moi, bon, ça... Pas moi, je... Hein ? Est-ce que vous auriez rencontré l'archevêque, par... Attends, tu crois quoi qu'on tout le monde approche l'archevêque comme ça La seule personne regardez que moi j'ai pu croiser, c'est la commissaire, même le cardinal, on le voit à peine. L'archevêque, c'est plus pour les religieux, c'est pas pour les combattants comme nous. Ça a l'air d'une personne impressionnante, n'empêche. Oh ouais. Déjà beaucoup de victoires militaires au compteur. Ah bah... Pour l'instant, ça va. Oh, vous avez pas l'air d'avoir trop confiance en lui, je me trompe. Ah, c'est-à-dire que j'aurais préféré que ce soit un Oni qui dirige les armées, mais bon... Je vois pas comment obtenir d'informations supplémentaires. On en fait quoi, du coup ? Je pense qu'il faudrait aller voir ce cardinal. Bah, Momiji et sa camarade vont le mettre en prison. Le temps du conflit. Après, je... Ouais, mais non. Oui. Si jamais il s'échappe, il sait que Saiga n'est pas du côté de la secte. Tout à fait. Après, au pire, il nous reste toujours Gengetsu. Je dis ça à l'endroit du RP, hein. Oui. Quand même, est-ce que je... Enfin, je sais pas si je peux, mais faire un jet, je sais pas, pour essayer de repérer s'il est manipulé par la même magie que l'archevêque a utilisé. Ou est-ce que je ouais, peux, tu peux, mais bon... Ouais, enfin, non, non, alors Germain, fais pas de jet. Ouais, ok. Il est pas manipulé. Ouais, ok, bon. Oh, moi, visiblement, on a perdu notre temps avec cet interrogatoire. Ah non, on n'a pas perdu de temps. Non, parce que moi je vais vous dire. En fait, j'avais soupçonné à un moment qu'il pouvait en vouloir spécifiquement au sanctuaire Moria pour. Par exemple, je sais pas, peut-être que la secte voudrait effacer le fait que Kutsuo ait été entre guillemets créé par Kanako Yazaka et qu'en conséquence elle ne serait pas une élue ou quelque chose comme ça. Ils auraient pu en vouloir pour cette raison, mais apparemment non, c'est juste une raison de guerre de religion. Enfin, pour ce qu'on en sait en tout cas. D'ailleurs, on peut lui dire ça, que Otsuo a été créé par par Kanako. Il y croira probablement pas, mais bon. Tu peux le lui dire, après, moi ce n'est pas de mon domaine. Enfin, de... Did you know that? Il répond quoi si on lui dit? Bah, il dit on sait que c'est on sait qu'elle tenait ses pouvoirs de la surface après c'est vrai que c'était la du sanctuaire Moria qui a transmis ce pouvoir, mais bon,
Vous savez, moi je m'en fous. Hein. Vous avez pas l'air très impliqué. Hein. Non, mais il vous a dit, il est pas dans, ouais. dans les problèmes religieux. Ouais, bon, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent quand même. Bah, pourquoi? En même temps, oui, je sais même pas ce qu'on cherchait. Comme... Attends, c'est vrai, c'est pourquoi déjà qu'on fait le scénario? Vous allez à différents endroits de Gensokyo pour enquêter sur les pouvoirs de Utsuo et du Yatagarasu. C'est ça. En parlant de cela, et puisque nous devons choisir notre prochaine destination, peut-être qu'une bibliothèque serait intéressante. Alors on a le choix entre celle du manoir écarlate, qui est centrée sur la magie démoniaque, donc je ne sais pas trop si nous trouverons de la magie divine là-bas. Pour rentrer, ça va être galère. Pour rentrer, c'est un petit peu galère. Bah okay. Non. On n'avait pas dit qu'on passait par la bibliothèque des Tengu avant. Oui, voilà, la bibliothèque. Vous avez parlé de la bibliothèque des Tengu. Ah, si vous voulez, Momichi, elle vous dit oui, la bibliothèque, bah, c'est la première à droite. À côté des chiottes, parce que c'est là qu'on stocke les bouquins. C'est pas faux. C'est un mon 50 entrée. Vous pouvez prendre un petit groupe pour 3 mon. Ça fait pas beaucoup quand même, 3 mon. Ouais. Du coup, bon, on peut chercher dans la bibliothèque. Ouais, ça serait une bonne idée, oui. Ça nous empêchera pas de passer par les autres bibliothèques. Oui, bon, c'est vrai qu'elle est pas loin, celle-là. Donc, vous allez à la bibliothèque du village. Oh, c'est un timing musical. Oui, mais la musique va reboucler. Est-ce qu'il me confisque mon instrument de musique à l'entrée de la bibliothèque, hein. Il vous dit de pas faire de bruit. Donc je lance mon degré en descente. Non. Comment détruire le scénario? En fait, c'est pas prévu pour qu'on partir à la base, sur hein. Complètement autre chose. Non, ouais, bon, on cherche des bouquins sur ce qui se pourrait se rapporter. Vous avez ce Tengu qui vous escorte, qui vous amène à la bibliothèque. Vous êtes dans la bibliothèque, donc vous cherchez. Qu'est-ce que vous cherchez? Alors moi, j'aimerais trouver spécifiquement un ouvrage sur la magie. Attends, laisse-moi ressortir mes notes. La magie divine, et notamment ouais, ça sur la magie divine, sur les fragments de pouvoir des dieux, comment ça marche, comment ça s'obtient, et quels sont les trucs en fait qui régissent ces machins-là. Alors, tu vas me faire un jet d'intelligence. Bon, déjà, tu vois que les ouvrages sont écrits en Tengu. Tiens, comme c'est bizarre. Non, et puis ceux que tu trouves, ouais, bah non, tu trouves pas ce que tu cherches. Alors les trucs que tu trouves, ça t'informe pas plus, notamment sur comment obtenir les fragments, comment ils se forment, tu sais pas trop, tu trouves pas d'infos là-dessus. Tu trouves des informations sur à la limite bah, l'existence de ces fragments, oui, des fragments de pouvoir des dieux. Peut-être tu peux extrapoler que oui, c'est le pouvoir des dieux qui se forme, se cristallise, mais bon, comment ça se forme réellement, concrètement, et comment les obtenir, bon, tu trouves pas. D'accord, bon, ben, on va en chercher dans les autres bibliothèques. De toute façon, je n'étais pas certaine qu'on pourrait vraiment trouver beaucoup de choses dans celle-ci. Il y a quelqu'un qui a le droit de chercher? Non, je l'ai demandé, vous voulez chercher les autres? Bah ouais. Tu veux chercher quoi, Seiga? La même chose. Ah, tu veux chercher la même chose? Bah, je veux dire, ouais, ouais, enfin, je veux dire, pourquoi je chercherais autre chose? C'est exactement, c'est genre le pouvoir du Yatagarasu, éventuellement, effectivement, les trucs sur les fragments divins, le pouvoir divin. Bah, je sais pas, Rin voulait chercher spécifiquement les fragments divins.
Ouais, bah, je peux chercher quelque chose d'un peu plus large, comme les pouvoirs effectivement du Yatagarasu, et éventuellement ses potentielles réincarnations et avatars, des trucs comme ça. Ok, ben vas-y, fais un jet d'intelligence. Sinon, on peut pas s'adresser aussi à une bibliothécaire qui. Bah, moi je pensais au début que ouais, on le demandait effectivement à celui qui nous dirigeait là. Ouais. Ouais, mais lui, Est-ce qu'il n'y a pas genre des il. bibliothécaires qui sont payés pour ça, pour faire ça? Ouais, mais pour le Yatagarasu, ils savent pas trop. En fait, C'est. la bibliothèque, elle est abandonnée depuis longtemps, tu sais, il y a des poussières et de l'araignée partout, etc. Des toiles d'araignée partout. Non, il y a plein de parchemins, À mais ce moment-là, on se fait c'est juste attaquer que. par quatre araignées géantes. C'est juste c'est juste que Rin, ce que tu cherchais sur les fragments divins, bon bah les Tengu ils avaient pas, ils ont manifestement pas beaucoup de choses dessus. Et toi, Seiyat, quand tu cherches sur le Yatagarasu, tu trouves plus de choses parce que bon bah le Yatagarasu c'est une créature mythologique assez importante, donc tu trouves des trucs. En plus c'est un corbeau. Donc tu trouves effectivement donc sur le Yatagarasu. Tu trouves donc bah, un petit peu l'histoire, l'origine du Yatagarasu. Le messager, donc le Yatagarasu, donc qui est la divinité messager d'Okami Yamaterasu, la déesse du soleil. Donc qui prend la forme traditionnellement d'un corbeau à trois jambes. Et qui est historiquement connu pour avoir, enfin historiquement, dans la légende, qui a guidé Jimmu, le premier empereur du Japon, vers ce qui deviendra les terres nippones. Donc le Yatagarasu a cette image de messager et de guide. Sur les pouvoirs du Yatagarasu aussi, bah, tu trouves des choses qui concordent avec ce qu'avait dit Kanako Yasaka sur le fait que le Yatagarasu hérite des pouvoirs du soleil, comme Amaterasu, et donc soleil, fusion nucléaire. Mais les pouvoirs du soleil, ça pourrait être plus large. Pareil, guider, ça pourrait être plus large. Genre, est-ce que potentiellement cela voudrait dire que Utsuo est réellement une bonne dirigeante? Non, pourquoi pas, c'est ce qu'on cherche Mais à déterminer. En vrai, je partage les infos avec les autres. Grosso modo, faut garder à l'esprit quoi que bien qu'elle est réputée pour être complètement conne, vu qu'elle a quand même des pouvoirs du Yatagarasu, il y a quand même une chance qu'elle ait pété un câble et commencé à faire sa conquérante de Gensokyo, mais cette fois-ci avec but de diriger quelque chose. Mais c'est pour ça que j'aurais aimé trouver des infos sur les fragments de pouvoir divin, parce que je me demande s'il y a une propriété de transitivité entre les capacités mentales du dieu et les capacités de la personne qui reçoit les pouvoirs, autre que le transfert direct de pouvoir magique. Bah, Après, peut-être qu'avec Saiga, ce avec que un tu trouves sur les fragments divins, c'est que bah, c'est ça concorde avec ce qu'avait dit Yasaka, c'est que ça transmet les pouvoirs, mais j'ai surtout un fragment, ça transmet pas la conscience, ou alors ça devrait pas. C'est vraiment juste une partie de la conscience, mais normalement elle devrait pas prendre le dessus. Ouais, mais je me suis dit, vu que l'archevêque a quelques pouvoirs visiblement liés au mental, de ce qu'on a pu voir, pas grand-chose, hein, mais quelques pouvoirs quand même, peut-être qu'elle a pu débloquer quelque chose avec ça, quoi. Ok. Donc il faut qu'on Mais ajoute à nos je listes crois de recherche en bibliothèque les pouvoirs mentaux. Sky, je peux L'interaction chercher un entre... truc? Oui. Oui. Je peux chercher, est-ce que un truc sur les Oni? Oui, bien sûr. Est-ce que les Oni sont cons? Alors tu trouves un ouvrage qui dit que les Oni ne mentent jamais. Quelle est la prochaine destination où vous souhaitez vous rendre? Alors, déjà que nous résumions les trucs que vous avez proposés, c'était le Kurindu, je crois, pour parler avec Ouais. Rinosuke.
La librairie du village humain et la bibliothèque du manoir écarlate. Moi, Bon, là, du coup, je ne sais pas trop s'ils auraient Manoir des. Écarlate, vu que c'est sur le chemin. Ouais. Ah, effectivement, comme dit Saiga, sachant que là géographiquement vous êtes sur la montagne Yokai, donc si vous descendez, vous allez tomber au pied de la montagne sur le manoir écarlate. Ah bah si c'est plus proche, autant y aller. Après, comme que je pense que c'est surtout de la magie démoniaque, et je sais pas trop s'ils ont grand chose sur de la magie. On remarque qu'ils doivent avoir aussi des choses sur la magie divine, mais ça vaut le coup d'essayer. Ok. Alors. Attends, 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 on a perdu Ringo, visiblement. Ouais. Oui, Ringo, on a perdu Tachi. Oh la vache, je suis crevé. Encore des problèmes de coups? Ouais. Oh putain. Putain, je suis deg sur l'interrogatoire. On a perdu d'autres. Pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais Non, mais j'arrive pas à réfléchir ce soir, je suis. On a perdu notre temps sur l'interrogatoire. Bah, pas bah forcément, non. je veux dire, non. Vous avez eu des informations supplémentaires, vous n'avez pas perdu votre temps. Ouais, on a des infos supplémentaires sur qu'est-ce qu'ils ont promis aux gens pour les mettre de leur côté. Donc, qu'est-ce que c'est finalement que les revendications de ceux qui les suivent. Et aussi sur l'objectif d'affaiblir les autres religions en les attaquant, quoi. Ouais, je sais. Bah, c'est pas négligeable. Non, ouais, effectivement. Vous savez aussi Bon, sur. J'ai la tête dans le cul. Vous savez aussi qu'il y a une autre personne à la tête de la secte, en plus de l'archevêque et de la cardinale, il y a la commissaire. Ouais, j'ai pas noté son nom d'ailleurs, c'était La quoi? commissaire à la milice. Il vous l'a pas dit. Par contre, ce que tu peux déduire, Seiga, c'est que. La commissaire à la milice, Oui, c'est Chica. C'est la sœur du cardinal, ouais. C'est ce qu'il nous a dit. Ce qu'il nous a dit. Et il a aussi dit que c'était pas des Onis. La secte, entreprise familiale. ouais, que c'était pas des Onis, mais ça, on le savait plus ou moins. Ouais, mais je sais pas, t'as pas demandé c'était quoi du coup? C'est juste. Oh purée. Oh, mais je suis pas réveillé. Pourquoi t'as fait l'interrogatoire aujourd'hui? Bah, c'est la pro. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'était la prochaine étape. Ouais, non, je sais, mais bon. Ah. Bah, de toute façon, on. Non. Au niveau des espèces qu'on a combattues, là on avait toujours des demi-yokai. Pour les lanciers, c'est ça? C'était des humains, non? Je crois que c'était des demi-yokai, si mes souvenirs sont bons. Ceux que t'avais analysé à Tyriiden, ouais, c'était des demi-yokai. Bon, puis on peut toujours demander au Tengu là qui ont dû les enfermer aussi, à quelle espèce ils appartiennent. Ceux qu'on a combattu là. Les lanciers, c'était des Onis. Des Onis aussi, d'accord. Et Voilà. la magicienne? Humaine. Touché, Humaine. Et le. Même Rin n'a pas de mot pour désigner ça, mais le. Et le truc! Le cracheur de feu. Le cracheur de feu, je vais la jouer. On a toujours pas. On a toujours pas. C'était un humain aussi. Non, là j'ai l'impression que c'est Discord pour eux qui bug. Ah, mais juste pour eux! Oui, parce que nous ça marche bien.